Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet de tous les défis de toutes les semaines sur Fortnite saison 5. Alors le premier défi est de découvrir des lieux dits. Vous allez devoir découvrir 5 lieux dits. Donc pour découvrir des lieux dits, vous avez juste à vous rendre à des lieux qui sont notés sur la carte de Fortnite, comme Misty Meadown, Retiro, etc., etc. Le deuxième défi est de parler à un personnage. Alors pour réaliser ce défi, il va falloir que vous trouviez un personnage qui se trouve dans la map de Fortnite. Donc c'est tout nouveau, c'est des personnages qui sont un peu partout sur la map, il y en a plus ou moins 40. Et quand vous en trouvez un, il y a une petite bulle de conversation au-dessus du personnage. Vous pouvez aussi le repérer via la petite carte. Donc parlez à 3 personnages ou même 3 fois le même dans 3 parties différentes et vous validerez le deuxième défi. Le troisième défi est de collecter des lingots d'or. Alors les lingots d'or c'est tout nouveau, c'est une sorte de monnaie que vous pouvez utiliser dans la partie. Et en plus de ça, à chaque fois que vous trouvez des lingots, ça se cumule à côté de vos constructions de bois et à chaque partie, vous les récupérez. Donc si vous ne les usez pas dans une partie, vous les aurez dans la prochaine et ça se cumule en illimité. Alors ces lingots, vous allez devoir en collecter 500. Pour collecter des lingots, vous avez juste à tuer des adversaires, soit à fouiller des coffres, même en cassant des fauteuils dans les maisons. Parfois, il y a des lingots d'or dans le fauteuil, donc franchement, vous pouvez en trouver vraiment partout. Et vous pouvez même en gagner en parlant au personnage. Si vous parlez à un personnage, il va vous demander si vous voulez une quête. Si vous acceptez une quête et que vous la complétez, et bien vous gagnez des lingots d'or. Alors récoltez 500 lingots d'or pour terminer ce défi. Le quatrième défi est de réussir des éliminations au fusil à pompe. Donc là, rien de plus simple. Vous trouvez un fusil à pompe et vous faites 3 éliminations pour réussir ce défi. Le cinquième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils d'assaut. Là, c'est pareil, prenez un fusil d'assaut et ensuite infligez 500 points de dégâts pour terminer ce défi. Alors, une petite astuce pour ce défi, infliger des dégâts, je suppose que ça fonctionne contre tous les acolytes, même les requins. Donc, n'hésitez pas d'en profiter. Le sixième défi est de réussir des éliminations au fusil sniper à au moins 150 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, j'ai une petite astuce pour vous. Déjà, première chose, allez le faire en foire d'empoigne. Vous trouvez un sniper et ensuite ben, vous essayez de tuer des autres joueurs à 150 mètres de distance. Logiquement, en foire d'empoigne, les gens vont pas trop bouger et esquiver. Donc ça va être beaucoup plus facile. Mais la vraie astuce que j'ai à vous donner, c'est de vous servir de votre pinger. Par exemple, quand vous voyez une personne assez loin, vous vous posez la question à combien de mètres elle est. Et bien là, vous utilisez votre pinger et vous mettez un ping vers le joueur adverse et là, votre ping va vous dire à combien de distance vous êtes. Et comme ça, vous êtes sûr que si vous le tuez, vous serez à la bonne distance, qui est 150 mètres de distance. Et le septième défi est d'infliger des dégâts aux structures avec des explosions. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne et ensuite de trouver un bateau. Et pour vous aider, je vous affiche tous les emplacements des bateaux de Fortnite saison 5. Alors quand vous avez votre bateau, attendez que la tempête se rétrécisse. Et là, vous avez juste à vous rendre au centre de la tempête et regarder un peu à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas des constructions ennemies. Et ensuite, tout simplement tirer avec votre canon de votre bateau. Et là, vous allez voir, ça va faire beaucoup de dégâts. Et franchement, en 2-3 missiles, vous aurez terminé votre défi. Ah oui, et j'allais oublier, il y a une quête légendaire que vous pouvez réaliser cette semaine. Alors cette quête légendaire, c'est d'accomplir des contrats. Alors pour accomplir des contrats, il suffit juste de parler à des personnages et d'accepter le contrat comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Alors c'est un défi à étapes. La première étape est d'accomplir 5 défis, vous débloquerez 50 000 XP. La deuxième étape est d'accomplir 10 contrats, mais de toute façon ça compte les 5 premiers contrats que vous avez fait. Donc, vous ferez juste 5 contrats en plus et vous débloquerez 25 000 XP. La troisième étape, c'est 15 contrats. La quatrième étape, 20 contrats. Et la cinquième et dernière étape, c'est 25 contrats. Donc au final, si vous accomplissez 25 contrats, vous gagnerez max XP. Alors maintenant, on va passer au guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est de détruire des boîtes aux lettres. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller à Holy Edge, tout simplement parce que il y a 6 boîtes aux lettres qui se trouvent à cet emplacement là. Donc les 6 boîtes aux lettres, je vous les montre dans le gameplay. Alors bien entendu, elles se trouvent en face de chaque entrée de chaque maison. Donc à mon avis, si vous le faites dès que le défi est disponible, il y aura sûrement beaucoup de monde. Donc essayez de bien repérer les boîtes aux lettres que je casse dans le gameplay, comme ça bah, vous serez les premiers à les casser. Alors il faut savoir aussi que des boîtes aux lettres, il y en a aussi à Retiro.
Il y en a sûrement aussi à la Z-Lake et à Misty Meadown, mais je sais qu'à Pleasant Park, il y en a 5. Donc là, je vous montre sur le gameplay qu'il y a 5 emplacements de boîtes aux lettres. À Pleasant Park aussi, elles sont un peu plus éloignées que Holly Edge. Mais voilà, il y en a 5, donc peut-être que si vous êtes plus près de Pleasant Park, ou si justement bah, vous passez par là, bah, n'hésitez pas à regarder s'il reste une boîte aux lettres ou deux. Comme ça, bah, vous pourrez finir votre défi si vous n'avez pas réussi à avoir les 5 à Holly Edge. Donc il faudra en casser 5 pour valider ce défi et ça vous donnera 20 000 XP. Le deuxième défi est de poser la preuve à Catty Corner ou à Flush Factory. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir poser 3 preuves. Alors il y a 3 preuves qui se trouvent à Catty Corner. Comme je vous le montre dans le gameplay, donc là je suis en mode rediffusion parce que ben, dans le jeu on ne les voit pas, mais en mode rediffusion on les voit. Donc là dans le gameplay je vous les montre toutes les 3. Donc vous avez juste à aller près de la preuve et appuyer sur action pour poser la preuve. Alors maintenant je vais vous montrer les 3 emplacements qui se trouvent à Flush Factory. Donc déjà tout d'abord, Flush Factory se trouve à côté gauche de Misty Meadown et en dessous de Slurpee Swamp. Donc rendez-vous à cet emplacement là. Et là il y a 3 preuves aussi que vous pouvez poser. Donc soit vous allez à Catty Corner, mais je pense que tout le monde va rusher Catty Corner, donc je vous conseille directement d'aller à Flush Factory. Je pense que vous serez beaucoup plus tranquille pour réaliser ce défi, si bien sûr vous faites le défi dès qu'il sort. Sinon, bah, si vous le faites plus tard, bah là normalement il y aura plus trop de monde qui feront ce défi, donc je pense que vous serez plus au calme. Alors les 3 emplacements de Flush Factory, vous les voyez dans le gameplay, donc quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez 20 000 XP. Le troisième défi est de trouver des pièces de voiture. Alors, je pense que les pièces de voiture, elles se trouvent par ici, près de la compresserie. Mais je vais vérifier, je cherche et je vous tiens au courant. Alors, c'est bon, j'ai trouvé les pièces de compresserie. Attendez, j'ai juste un ennemi qui est juste devant moi, là. Voilà, c'est bon. Alors, les pièces de compresserie, elles sont... les pièces de véhicule, plutôt, elles sont à la compresserie. Donc, il y en a une qui se trouve juste ici. Attendez, je casse ça. Donc, juste ici. Donc, vous interagissez avec, vous la récupérez. Il faut en trouver 3. Donc en réalité, il y en a à la compresserie, donc juste ici, et il y en a à Dirty Docks par ici. Alors moi, je vais vous montrer celle de la compresserie, donc il y en a 3. J'en ai vu une tout près. Voilà, la deuxième, elle est ici. Et la troisième ne doit pas être trop loin, donc je la cherche. La troisième... C'est bon, j'ai trouvé la dernière pièce qui manquait, donc elle se trouve à Dirty Docks, donc juste ici, donc désolé, je suis dans la tempête, donc vraiment juste ici, dans un conteneur bleu, regardez, donc juste ici, donc je regarde aux alentours, comme ça vous pouvez vous repérer. Et en fait, elle est, franchement, elle est bien cachée en fait, il y en a 2 qui se trouvent à la compresserie, et une qui se trouve à Dirty Docks, exactement là où je viens de vous montrer. Le quatrième défi est de conduire un véhicule de Steamy Stack à Pleasant Park. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller à la pompe à essence qui se trouve juste à côté de Steamy Stack. Comme ça, vous remplissez votre véhicule d'essence et ensuite, ben, vous vous rendez à Steamy Stack. Alors quand vous arrivez à Steamy Stack, je vous conseille de sortir du véhicule et de re-rentrer dans le véhicule pour être sûr que le défi s'enclenche bien et qu'il comprend bien que vous démarrez de Steamy Stack. Donc quand vous êtes rentré dans la voiture, ben là vous vous dirigez vers Pleasant Park. Donc là dans le gameplay, je l'ai fait avec une voiture de course, vous pouvez même utiliser le boost. Quand vous arrivez près du sable, vous verrez que vous aurez assez d'essence pour faire ce trajet. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu le boost si jamais vous voulez accélérer dans le sable ou à certains endroits. Alors vous pouvez aussi utiliser une voiture normale, ça fonctionnera, ou un taxi, ou même un pick-up. Logiquement, n'importe quel véhicule, vous arriverez à faire la distance si bien sûr vous avez, je pense, un minimum de 50% d'essence. Et quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez 20 000 XP. Le cinquième défi est de conduire à travers des cercles enflammés. Alors pour réaliser ce défi, je pense que vous allez devoir passer entre 3 cercles enflammés. Donc là, je vais vous montrer les emplacements. Alors déjà, rendez-vous un peu à droite de Craggy Cliff. Au même endroit que moi, il y a souvent un véhicule. Donc prenez ce véhicule et dirigez-vous vers le petit circuit de terre, là où il y a des tondeuses à gazon. Donc là, exactement devant les tondeuses à gazon, il y aura un cercle enflammé. Vous aurez juste à passer dedans avec votre véhicule. Ensuite, un peu plus loin vers le pont bleu, donc à droite du pont bleu, il y a une petite montée de terre comme ça. Et là, logiquement, au bout de cette montée de terre, vous avez un cercle enflammé. Donc passez avec votre véhicule dedans pour valider le deuxième cercle enflammé. Et le troisième emplacement se trouve au-dessus de Pleasant Park, là où il y a une rampe en bois. Logiquement, il y aura le cercle enflammé sur la première rampe. Ensuite, il y a 2 autres rampes qui suivent plus bas. Mais bon, là, je pense qu'il n'y aura pas d'autres cercles enflammés sur les 2 autres rampes. Mais de toute façon, normalement, vous n'avez que 3 cercles enflammés à passer dedans. Et je viens de vous les montrer dans le gameplay. Donc logiquement, quand vous aurez passé dans les 3 cercles, vous débloquerez 20 000 XP.
Le sixième défi est de trouver des indices à Pleasant Park, Holly Edge et à Lazy Lake. Alors le premier emplacement que je vous montre, c'est celui qui se trouve à Holly Edge. Donc regardez dans cette petite maison juste là, il y aura des indices à l'intérieur. Alors il faudra interagir avec une indice en particulier. Donc cet indice, c'est la boîte aux lettres, donc voilà juste ici. Maintenant je vais aller à Pleasant Park et je vais vous montrer le deuxième emplacement d'indice. Alors le deuxième emplacement d'indice se trouve par ici, donc regardez bien où je suis. Ici il y a une petite boîte aux lettres, hop, vous interagissez avec, donc là je vais vous le montrer sur la map. Exactement ici à Pleasant Park, donc rendez-vous à cet emplacement là et interagissez avec la boîte aux lettres. Donc maintenant je vais vous montrer le dernier emplacement qui se trouve à Lazy Lake. Et le troisième et dernier indice se trouve juste ici à côté du van de rétablissement à Lazy Lake. Donc juste ici, il y a des boîtes aux lettres. Donc vous faites carré, enfin action pour fouiller et vous aurez trouvé les trois indices à Holly Edge, Pleasant Park et Lazy Lake. Donc je vous montre sur la map ce que ça se trouve juste ici. Voilà. Et quand vous les aurez trouvés, vous aurez validé le défi et vous gagnerez 20 000 XP. Le septième défi est de détruire des niches. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir détruire trois niches. Ces trois niches, vous pouvez facilement les trouver un peu n'importe où, derrière les maisons qui se trouvent à Holly Edge, à Pleasant Park, etc. Mais là, je vais vous montrer un emplacement à Retiro, où là, il y a carrément six niches directement dans le jardin. Donc à mon avis, les propriétaires, soit ils font un commerce de niches, ou soit ils ont acheté un maximum de chiens pour la nouvelle saison, j'en sais rien. Mais en tous les cas, si vous vous rendez au même endroit que moi, dans le gameplay à Retiro, dans cette propriété, vous verrez qu'il y a six niches qui vous y attendent. Et là, vous aurez juste à en casser 3 pour valider le défi et gagner 20 000 XP. Et le huitième et dernier défi, qui est la quête légendaire, est d'infliger des dégâts avec des armes légendaires. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une arme légendaire, donc à ne pas confondre avec une arme exotique. Donc les armes légendaires, elles ont une couleur en or comme ça, orange. Donc par exemple là dans le gameplay, j'ai une P90 en or. Donc ça aurait très bien pu être une SCAR ou autre chose, même un petit gun en or. Donc ça, ce sont des armes légendaires parce qu'on peut le voir, la couleur elle est un peu orange or. Alors quand vous avez trouvé une arme comme ça, vous allez devoir faire 1500 points de dégâts à des adversaires pour gagner 55 000 XP. Alors j'ai une petite astuce pour vous, si maintenant vous voyez des acolytes dans la map, genre des acolytes qui spawnent un peu partout, là si vous leur tirez dessus avec une arme légendaire, ça comptabilisera vos dégâts et donc ça fonctionnera pour réaliser le défi. Et vous pouvez même, par exemple, aller à Colossal Calysium. Donc, quand vous avez le gladiateur en plein milieu, vous pouvez le provoquer en duel. Eh bien, provoquez-le en duel et faites un duel avec. Et ensuite, infligez-lui des dégâts pour que ça comptabilise dans votre défi. Alors, j'ai une autre petite dernière astuce, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Par exemple, les personnages, quand vous leur tirez dessus et qu'il y a un point d'exclamation rouge qui se mettent au-dessus de leur tête, ils vont commencer à vous tirer dessus. Et je pense que si c'est le cas, vous pouvez utiliser votre arme légendaire pour infliger des dégâts à ces personnages et faire en sorte d'avancer dans vos dégâts de défi. Alors il faut savoir que ce défi est un défi à étapes. La première étape vous fait rapporter 50 000 XP, la deuxième étape 22 000, mais la deuxième étape il faudra infliger 3 000 de dégâts, puis ensuite la troisième étape ce sera 4 500, la quatrième étape c'est 6 000, et ensuite la dernière et cinquième étape c'est 7500 dégâts. Et pour l'étape numéro 2, 3, 4 et 5, vous gagnerez 22 000 XP pour chaque étape. Donc si vous faites 7500 points de dégâts avec une arme légendaire, vous débloquerez au total plus ou moins 150 000 XP. Donc voilà, c'est vraiment pas négligeable, donc n'hésitez pas à réaliser ce défi. Et maintenant, on va passer au défi de la semaine 3. Alors le premier défi est de réussir des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un véhicule pick-up. Ensuite, essayez de prendre de la hauteur et d'avoir un champ de vision sur les ennemis. Et de là, essayez de faire des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Alors, ce défi est un défi à étapes. La première étape est de faire 3 éliminations pour débloquer 55 000 XP. Ensuite, la deuxième étape, c'est 6 éliminations, puis 9, puis 12, puis 15 éliminations. Quand vous aurez fait 15 éliminations à bord d'un véhicule, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut ou des pistolets mitrailleurs. Donc là, rien de plus simple, équipez-vous d'un fusil d'assaut ou d'un pistolet mitrailleur et faites 500 de dégâts pour débloquer 20 000 XP. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête au pistolet ou au fusil sniper. Alors là, équipez-vous d'un pistolet ou d'un fusil sniper et essayez d'infliger des dégâts dans la tête de l'adversaire. Donc avec un fusil sniper, logiquement, vous ferez directement plus de 200 de dégâts. Donc vous validerez le défi parce qu'en fait, le défi, c'est d'infliger 200 de dégâts pour débloquer 20 000 XP.
Le troisième défi est de détruire des toilettes. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi. Il y a une usine de toilettes et là vous allez avoir full toilettes. Et il y a même 3 toilettes futuristes. Donc pour réaliser le défi, il faudra détruire 3 toilettes. Alors ce genre de toilettes, il y en a vraiment même dans les maisons si jamais vous allez dans des salles de bain ou quoi, il y en aura. Cependant, c'est possible que ces toilettes ne fonctionnent pas. Donc si ces toilettes ne fonctionnent pas, j'ai un autre emplacement qui se trouve près de Cathy Corner. Et là, il y a 3 toilettes de chantier, donc c'est possible que ces toilettes fonctionnent aussi. Donc si jamais ça ne fonctionne pas avec les toilettes normales, n'hésitez pas à rejoindre cet emplacement pour détruire les toilettes. Alors quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez 20 000 XP. Le quatrième défi est de fouiller des coffres à Craggy Cliff, à Holy Edge ou à Retiro. Donc rendez-vous soit à Craggy Cliff, Holy Edge ou Retiro. Et là, fouillez des coffres, vous allez devoir fouiller 7 coffres pour débloquer 20 000 XP. Le cinquième défi est de réussir des éliminations avec des armes rares ou supérieures. Donc là, il faudra que vous trouviez des armes bleues, voire mauves, voire en or, ou même exotiques. Ce qu'il vous faut, c'est obligatoirement une arme de niveau rare ou supérieur, donc voire bleue ou supérieure. Ensuite, quand vous avez une arme comme ça, il faudra faire 3 éliminations pour débloquer 20 000 XP. Le sixième défi est de réussir des éliminations en étant à bord d'un véhicule. Donc ça, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. C'est la quête légendaire avec plusieurs étapes de défi. Donc là, pour ce défi, vous avez juste à réussir une seule élimination pour débloquer 20 000 XP. Et le septième et dernier défi est de fouiller des coffres de munitions à Salty Tower ou à Colossal Coliseum. Donc rendez-vous soit à Salty ou soit à Colossal et ensuite fouillez des boîtes de munitions pour débloquer 20 000 XP. Donc voilà qui termine cette vidéo, j'espère que ce guide complet vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace. Yummy,